Ce bloc technique est une présentation des marchands Pro Nature. Bonjour tout le monde. Cette semaine à la chronique Pro Nature, comment choisir les bonnes mouches? Pour commencer, les mouches à truite vont souvent être montées pour imiter le plus possible les insectes dont la truite va se nourrir. Quant aux mouches à saumon, sachant que le saumon, une fois dans la rivière, ne se nourrit plus, on va chercher des mouches qui vont chercher à provoquer le saumon. Les mouches à saumon vont principalement être séparées en deux types, les mouches sèches et les mouches noyées. Les mouches sèches sont des mouches qui vont rester à la surface de l'eau, qu'on va tenter de déposer quelques pieds en haut du saumon afin de le provoquer. Tandis que les mouches noyées vont descendre, quant à elles, entre 1 et 2 pouces en dessous de la surface de l'eau. Donc, pour terminer, on me pose souvent la question, c'est quoi la meilleure mouche? Rappelez-vous que la meilleure mouche, c'est celle que vous mettez à l'eau. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à visiter un magasin Pro Nature près de chez vous.